Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Longueug et bienvenue sur Grow Up, épisode 6 pour le premier défi du désert, même si je me dis que ce défi pod, s'il nous emmène jusque tout là-bas, on devrait peut-être le faire en dernier. Je vais le faire maintenant, mais c'est peut-être une erreur de le faire maintenant parce qu'il a l'air de nous mener à un deuxième désert dans lequel il y a deux pièces de vaisseau. Et qui ensuite nous mènerait vers encore d'autres choses, d'autres biomes différents qu'on n'a encore pas vus. Parce que ouais, si je me réfère à ce qu'il y a au sol, plutôt qu'aux îles volantes, là on est dans une première partie du désert, dans un premier désert, délimité par de l'eau. Donc ici, là, on est au-dessus d'un océan. Et si je veux être méthodique, ce serait bien que j'explore cette première partie du désert, en tout cas par rapport à sa surface au sol. D'abord, avant de franchir l'océan pour aller voir ailleurs, je devrais m'assurer d'avoir tout fait ici. Le problème, c'est que ce défi va m'emmener assez loin. Donc, bon, c'est pas grave, il va m'emmener à un bout du désert, qui est idéalement celui où on devrait finir. Et on explorera le désert ben, en passant par la droite, puis, par la droite, le nord, le sud. Et on rebouclera. Ce sera pas trop mal. Les gemmes font de drôles de bruit. Écoute. Oui, je sais, mais t'es en train de me dire qu'il y en a une en dessous de moi, c'est ça? Ou c'est juste une astuce normale pour m'aider à les retrouver? Parce que je le sais qu'elles font du bruit, hein. Je le sais bien. Faut que je reste attentif, d'ailleurs, sinon je passe à côté. Allez. C'est parti pour voler. Oula, ouais, non, ça va me demander... Ça me demande des choses. Ça me demande des choses, je pense que je vais devoir utiliser le... Alors ouais, ça déjà. Allez. Non. Ah. Voilà, j'essaye de me servir du frein à air pour atterrir dessus, à peu près au milieu. Voilà, je vais me servir de delta plane pour passer. Pour faire ça correctement. Ça marche bien, hein. Le planeur, la meilleure invention qui soit. Ça a l'air tellement facile. Hop. On dirait une pièce tombée du vaisseau de Mom. Près de la cascade, Bud. Retrouve-la avant qu'elle ne rouille. Ouais, bah je termine le défi d'abord, s'il te plaît. Ah non. Ah non, il faut encore que j'aille tout là-bas. Bon, allez. On recommence, mais c'est vraiment parce que j'ai fait l'idiot avec le planeur. Je l'ai pas sorti assez tôt. Allez. On est bien, on est mieux. Je passe limite trop haut, mais faut que je garde une bonne altitude et une bonne vitesse si je veux pouvoir ensuite remonter là-bas. Parce que le planeur, normalement, c'est pas fait pour prendre de l'altitude, hein. Il y a des techniques pour, mais on est dans un jeu vidéo. Et les jeux vidéo sont pas forcément conçus pour appliquer ces techniques. Parfait. Et je crois qu'il y en a encore deux. Mais on a le temps, on est large. Hop. Celui qui me fait atterrir dans le... Allez, avec le jetpack, on finit. Et voilà. Très bien. Alors c'est très bien, sauf que comme dit, on est beaucoup trop loin. On est beaucoup trop loin de ce qu'on est censé explorer, de ce qu'on est censé faire. Si on veut faire les choses efficacement. Après, je pourrais m'occuper de cette pièce de vaisseau et retourner dans le désert plus tard, mais ouais. J'aurais dû remplir ce défi à la fin.
J'aurais dû le faire beaucoup plus tard, tant pis. Je vais essayer de repasser en étant attentif au bruit. Pour récupérer les gemmes qui se trouvent là-dessus. Non, il n'y en avait pas ici. C'est là qu'il y en a une qui a accroché. Par là, par là, par là. Voilà. Hop là. Parfait. Oui, oui, je sais. Je sais, pote, je l'ai vu. Aïe, ouille. Tout va bien, tout va bien. On prend un peu d'altitude et de vitesse. Voilà. Et comme ça, on retourne au point de départ. Même s'il n'y a pas de gemmes sur ces îlots, c'est pas grave. Du coup, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Comment on explore efficacement maintenant? Parce que par là, il n'y a rien. Ouais, on avait dit, on va se baser sur la... On va se baser sur la surface au sol. Atterrir au bout là-bas et explorer le désert depuis le sol. Et les îlots qu'on rencontrera sur la route, on les visitera. Un moyen de monter. Bon, du coup, ce machin là, c'est très joli, ces petites terrasses aquatiques, mais ces petites piscines, mais pas de gemmes dedans a priori. Je suis en train d'hésiter à comment on va se débrouiller pour atterrir sur le rocher là. Et voilà le jetpack. Allez. Voilà. Stack. Et ouais, non, les batteries elles sont pleines, mais si j'ai pas la bonne impulsion de départ, je pars dans le mauvais sens. Non mais. Hop, voilà. Bon, tout ça pour constater qu'il n'y a rien au sommet, mais... Juste histoire d'eux. Hop, au passage, des zooms. Voir si avec une vue un peu plus d'ensemble, je peux deviner certaines gemmes ou pas. Allez, tac. On est bien. On est bon. Parce que maintenant qu'il fait nuit, c'est le moment idéal pour les repérer vu qu'elles ont un bel éclat bleu. Là, par exemple là. Hop, par ici. Par ici. C'en est pas une, ça? Non, c'est un insecte. Pas de chance. Regarde en dessous de ces rochers, c'est pas de la paranoïa. Ça y ressemble, mais c'est pas de la paranoïa. Dans le premier jeu, il y avait une gemme qui était planquée sous un rocher flottant comme ça. Au-dessus d'une rivière en plus. Tu pouvais prendre le risque de te noyer en la récupérant.
ça curieux, ces blocs de glace. Je sais pas, ça ressemble à des blocs de glace à côté du désert. Ça me semble étrange. Alors, faut rester à l'affût des grottes, bien sûr. Parce que les beaux cristaux apparaissent toujours dans des grottes. C'est bien connu. Alors, il y en a un devant moi, oui, mais... Il y en a un devant moi et je pourrais foncer à le prendre, mais... Est-ce que j'en ai oublié un derrière moi ? Normalement, la vision de Pod, c'est censé être mon meilleur atout pour détecter les gemmes, et je m'en sers pas en vidéo parce que c'est pas hyper intéressant, mais voilà, je devrais m'en servir, ou alors faire un gros travail en off avant l'épisode pour les repérer, toutes ces gemmes, et pour que je puisse les récupérer directement avec vous, en sachant exactement là où elles sont. Donc, du coup, derrière moi, je pense qu'il n'y en aurait pas. Par celle que j'ai repérée... où d'ailleurs? Il y a un télérouteur qu'on n'a pas activé. Et la gemme que j'avais vue à l'instant, elle est passée où? Parce que je suis ce genre de boulet. Je repère des trucs. Là elle est. C'est bien d'en avoir une comme ça en visuel. On sait quelle taille c'est censé avoir et on sait quelle couleur ça a. Ça aide à repérer les autres. Mais du coup, partout là, il n'y en aurait pas. Et là, on s'approche de la plante étoile, un coin qu'on a déjà un peu exploré, mais on l'a pas fait sérieusement. Il faudra qu'on y refasse un tour. Même si, a priori, il n'y aurait pas de gemme. Ouais, et là, c'est un défi de Pod sur un groupe d'îlots, sur un archipel d'îles volantes qu'on n'a pas du tout vu. Et là, ça c'est très verdoyant. Je pense pas que ce soit relié au biome désert. Mais comme c'est assez loin de cet autre biome champignon, je pense qu'il faudra qu'on aille faire un tour là-dessus. Hein. Il faudra qu'on aille faire un tour dans cette zone-là. Soit avant d'aller au biome champignon là-bas, soit avant d'explorer ce désert, cette partie-là du désert. Bon. Donc ouais, je suis parti bien loin vers le sud et vers le nord. Il y a encore un défi Pod. Et à part la gemme qui est là, on avait dit, il n'y a rien à l'ouest. Il n'y aurait rien de plus à l'ouest, sauf si elles sont planquées sous ces rochers. Ou dans des grottes. Cela va de soi. Là, par exemple, il y en a une de grotte. Je sais pas si on a déjà été dedans. Faudra qu'on aille vérifier. Et ouais, il y a des télérouteurs. Pardon, des télérouteurs qu'on n'a pas activés. Pas encore. Bon. Donc ouais, la grotte, elle est en dessous de ce gros ensemble de cactus. Donc on ira plus tard, on va partir vers le nord pour l'instant. Vers le nord, en direction directement de la gemme qu'on a vue. Hop là. Directement dans sa direction. Parce que j'ai décidé. Hop. Allez-y. Faudrait qu'on en trouve encore 8. Et on aurait peut-être plus de batteries. Si ça suit la logique, on aurait une quatrième batterie. Hop là. Plein d'or, messieurs, dames. Ouais, cet endroit-là est assez biscornu. Je pressens la présence de quelque chose.
Je le pressens bien. Je peux me tromper, mais je le pressens bien. Non, rien de planqué. Rien de planqué dans les interstices. À part le défi pod qui traîne par là-bas. Je ne pensais pas aimer les floraformes, mais elles sont chouettes. Mais je préfère les planètes. Forcément. Ça là-bas, c'est un insecte, hein. Eh. Non, Bud, atterris. Voilà. Atterris et repart, ouais, c'est un insecte qui est parti se planquer dans la roche. Un insecte ou un Bernard l'ermite d'ailleurs, c'est pas très, je suis pas très sûr. Allez. Rien de chez rien. Ouais, bah vivement qu'on débloque le détecteur de gemmes parce que j'y vais à tâtons là et c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Hop, 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 freine, bud, freine. Voilà. Allez, où est-ce que ça mène, ça? Fais-moi voir. Parce que je peux le voir, hein. Ouais, je vais devoir sauter de bondifar en bondifar. Ouais, partir vers le sud, ensuite vers le nord, ensuite par là. Ouais, je vais devoir slalomer entre ces différentes îles. Ça roule. Que je sois déjà au courant de ce que je dois faire, du parcours que je dois effectuer. Hop là. Hop. Très bien. Ouais. Oh là 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 là, cet homme, ce robot qui se permet des exactions assez folles. Hop là. Ah bah tiens, une gemme. On parlait de toi justement. Allez, à moi. Et on poursuit notre périple. Voilà. Oula, oula. Doucement, doucement. Ouais, Bud, il arrive à corriger sa trajectoire avec une facilité déconcertante. Parce que du coup, j'essaye de... Voilà, défi réussi, parfait. J'essaye de compenser le fait qu'il va être emporté dans son élan et du coup, comme il corrige super bien, il se retrouve à partir limite en arrière à chaque fois qu'il saute. Alors du coup, on avait récupéré une gemme ici et j'avais l'impression de voir un truc... Non, c'est juste un effet de brouillard. J'avais l'impression de voir un truc briller en bleu. Mais c'est juste un effet de brouillard, y a rien. Hop, s'il vous plaît, 7e étage. Oula oula. Je commence à me noyer au fond du geyser. C'est pas bon signe. Ouais. Du coup, on a fait le tour là. On va activer ce télérouteur. Et poursuivre. Non, accroche-toi, Bud. Loupé. Allez, voilà. Non, j'accroche pas au bon endroit. Voilà. Allez. Hop. Et... voilà. Comme ça c'est fait. Alors du coup, ouais, je vais utiliser la vue de pod, hein, tant qu'à faire. C'est tellement pratique. Ouais, je suis dans un endroit avec un... pas mal... avec un archipel d'îles volantes où on n'a pas encore mis les pieds. Et un défi pod. Alors maintenant que c'est plein jour, je reconnais plus l'endroit. Mais ouais, normalement, c'est ici. C'est ici, là, je crois, qu'on avait récupéré une gemme. Ou alors elle était juste un petit peu en arrière, ici.
Ouais, je crois que c'était là. Donc là, on serait bon. À part la grotte qui est là en dessous, toute la partie là au nord-est, nord-ouest, pardon. Toute la partie au nord-ouest serait explorée correctement, je pense. Ici, il n'y aurait rien. Donc j'ai plus qu'à explorer ce qui se trouve au-dessus de moi. Ouais, pour ça, il faudrait des cactus à fleurs. Il y en a un ici. Moi, ouais, je suis pile dessus, parfait. On monte! Hop! Allez, on monte! C'est la réunion des insectes ici. Dites-moi, messieurs, vous auriez pas trouvé une gemme par hasard? Un truc bleu en plutonium? Du carbu? Non, vous avez pas ça, hein? Même pas derrière ce gros rocher là? Non. Bon, du coup, comment on monte? Comment on monte? Où est-ce que je l'ai rangé? Voilà, ici. Ici, et je vais le placer là. Hop. Voilà. Et on monte encore. Rien de planqué nulle part. Rien de planqué nulle part, vous êtes sûr? Ouais, ils sont sûrs. Ils ont l'air d'être... Ils ont l'air d'en être certains. Du coup, faut qu'on monte encore, hein. Faut qu'on monte encore. Et là, on aurait une gemme. Est-ce que je suis suffisamment... J'allais dire, est-ce que sur la plateforme là en bas, je suis suffisamment élevé pour atteindre ça là-haut avec une avec un cactus à fleurs, ou est-ce qu'il vaut mieux que je place le cactus à fleurs sur le baril qui pique ici? Parce que ce serait sympa de planter ça là. Alors pour ça, il faudrait que Bud il arrive à être stable, parce qu'il arrête pas de glisser. Voilà. De là ça passe, je sais pas si je pense que je me prendrais le rocher en pleine tronche si je le plaçais ici, c'est ça le problème. Tant pis. Tant pis, on va le placer là. Entre les deux. Juste là où je me tiens en fait. Voilà, par là. Hop. J'allais dire nickel. Voilà, on est bon. Et on décolle. Ouais, on est placé juste bien. Hop là. C'est beau ça. Ouais, ça tu me l'avais déjà dit, Pod. T'es très heureux de vivre cette aventure avec moi. Et ce plaisir est réciproque. Parce que sur une planète aussi grande, je suis bien content d'avoir quelqu'un, un ami volant, qui aime les planètes en plus, pour me guider. Hop, hop, hop. Allez. Avant de prendre le défi, qu'est-ce qu'on a là? Rien du tout. Hein. Je m'attendais à un trou. Oups, non. Allez. Ouais, ça m'a l'air suspect comme disposition. Vous menez à où? Vous menez à rien du tout. Alors, qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce d'escalier de pierre?
c'est pas pour mener à une grotte. Rien ici non plus. Bon. Bon, bon, bon. Je suis suspicieux à outrance. Alors, on peut lancer le défi. Et c'est un défi qui nécessite peut-être la bouboule. C'est un défi qui nécessite peut-être d'y aller en mode... En mode bouboule. Oula, oula. Tap, 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 tap. Voilà. Je vérifie qu'on soit bien aligné. Je pense que là, on est bon. Hop. Allez. Vas-y, bud. C'est toi le meilleur. Oula, oula. Oula, oula. Non. Non, non, non. Eh. On est parti trop loin. On y allait trop fort. On y allait trop fort. On aurait dû se contenter d'un base jump un peu plus conventionnel. Plutôt que d'y aller carrément avec la bouboule. Allez. On peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. On peut le faire. Voilà. Fou, ça c'est fait. Et du coup, ouais, vu que c'est un simple base jump, on est retombé à des endroits qu'on connaît déjà. Notamment cet endroit avec... avec notre capacité. Bien, bien, bien. L'endroit où il y avait le cactus géant, il est là. Et la grotte, elle est où? Voilà, juste ici. Hop. Alors, on a déjà été ou pas? Ouais, on a déjà été, il y avait... Je vois ce cactus en fleurs et je me souviens clairement avoir arraché une gemme qui se trouvait dedans. Donc on est bon. Hop hop hop, mince. Ouais, je pensais que ce truc était beaucoup plus loin de moi que ça. Hop 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 hop. Alors. On active le dézoom. Et on jette un coup d'œil. Là-bas, c'est un truc qui clignote, mais c'est un défi pod. C'est un défi pod, et en dehors de ça... d'ici, je vois rien. Rien de chez rien. Et ça, là-bas, on avait dit qu'on l'avait déjà exploré. Parce qu'on est là, du coup. Ouais. On est là. Le défi pod là on l'a rempli, celui-là aussi. Très bien. Il nous reste quoi du coup comme défi pod? Ouais, c'est celui-là qu'on voyait depuis le lointain. Depuis là où on se trouve, quoique peut-être celui-ci. Bon, on aurait encore cette zone-là à fouiller. Sachant que je pense que les endroits où on a déjà été, on a déjà récupéré... nos précieux cristaux. Donc reste plus que deux défis pods à faire dans cette zone. Trois défis pods à faire à des endroits où on n'a jamais mis les pieds. Ah, si je vais assez vite, je pourrais peut-être en faire un. Celui qui est proche, là. Faudrait que je prenne de l'altitude. Je sais pas si on a le temps. Je sais honnêtement pas si on a le temps de le faire. Allez. Hop hop. On essaye. On tente. Voilà. Vas-y, fonce, bud, fonce. Aïe. Fonce vers ton destin. Voilà, ça se fait. Normalement, il s'agira juste de...
Hop là. Il s'agira juste de faire le tour de l'archipel. On devrait être capable. Ouais. On devrait être capable. Ça m'a l'air tendax, mais peut-être. Allez. Ouais, peut-être que je l'ai fait dans le mauvais sens. Peut-être que j'aurais pas dû partir d'en haut plutôt que de partir d'en bas. Allez, ça passe. Ça passe. Vas-y, saute. Allez. Allez. Victoire. Victoire totale. Très bien. Eh ben, on peut s'arrêter là-dessus. S'arrêter là-dessus et reprendre notre fouille, notre exploration du désert dans le prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas le petit j'aime qui fait toujours plaisir. Le partage, c'est super important. Et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, à ciao, bonsoir.